Ah. Ah oui, c'est vrai. On va faire ça. Je sais pas du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Attends. Ah oui, ici on doit les livrer. Et. Oh non, le retour du panda! Ah! Yeah! That's me! Salut mon Garut! Tu veux manger des carottes? Pardon. Ça a la forme! Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission? L'effraissant. Oh, ça peut pas être pire que d'avoir deux chats. Putain, il a bugué là. La forme, ouais, et toi, mon poteau. Mais ouais, carrément. Redéployer la marchandise. J'ai pas compris. Livraison de grains ferme. Ok, ça marche. Oui, donc là, on a un sacré parcours à faire. Et du coup, on va peut-être tracer quand même le truc. Wow, putain, mais il y a une sacrée distance de ouf, mec. Ah ouais. Là, ça va être du défi, mon gars. Hein. Ça, c'est quoi? Générateur en ligne. Ok. Sachant que là, il y a pas mal de niveaux encore. Enfin, quand je dis niveau, il y a pas mal de roches, quoi. Ok, ça c'est quoi? Panneau, n'abandonnez pas, on s'en bat les couilles. Ça, ça sent pas très bon, ça. Ce serait un camp de... C'est un camp de manouche, ma mène! Ouais. Ah, c'est quoi ce truc? What? Ah, c'est huge! Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Qu'est-ce qu'on va t'en faire? Attends 2 secondes. Ouais, c'est bon. Ça et ça c'est bon. Ça c'est bon, mon capitaine! Ah! Tu vas faire le funambule ce soir. Prévoir le temps est un peu comme prédire l'avenir. Certains animaux ont une sorte de sixième sens qui leur permet d'éviter le danger. Tel le panda! La possibilité de rassembler des données et d'agir en conséquence. L'homme est le seul à pouvoir ainsi planifier son avenir. Wow. Nous possédons la capacité de vivre chaque jour en imaginant de quoi demain sera fait. Et notre imagination a autrefois donné naissance à une culture riche et dynamique. Mais quelque part en chemin, nous avons perdu de vue l'avenir. Nous sommes redevenus des animaux, focalisés uniquement sur l'instant présent. Wow! That's huge! C'est par rapport à ton titre racoleur avec Pinder, le cirque! Ça m'excite! Le cirque, ça m'excite. Non, bah. Ouais, bah, je sais pas. J'ai trouvé un titre comme ça. Voilà, quoi. J'ai trouvé que ça rimait bien. Je me suis dit, allez, vas-y. C'est parti. Ok. Par contre, c'est ça que j'ai pas compris. Alors, attends. On va faire un. Hop là. Fraîcheur nature. Hollywood chewing gum. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de pub. Ça, et du coup... Ça me paraît peut-être faisable d'y aller en moto, non? Après, je suis moins chaud d'y aller en moto, je trouve que c'est un peu compliqué. Souvent, t'es un peu emmerdé.
Mais à la limite, pourquoi pas... Attends, je sais. Pourquoi pas utiliser les deux petites remorques là qu'on avait. Comme ça, on va courir un peu plus vite, peut-être. Ça, c'est quoi? Non. Marchandiseur. Voilà. Bâtard. Voilà. Allez, faut y aller. Ça. Ok, ça c'est bon. On va peut-être faire ça. Et après, on va en faire un deuxième. Déjà ça. Et bah, de toute façon, j'ai. J'ai l'impression que j'ai pas grand chose. Hein. Non, 70 kilos. Bah, bon, comme ça, au moins, il s'en bat les couilles. Ça a l'air d'être un petit peu à pic. On va peut-être se péter un peu la gueule là, non? Mais non, ça glisse pas, t'inquiète. Ouais! Ah! Une musique! Ah oui, je l'aime bien celle-là. Ah, en ce moment, je me l'écoute dès en me levant le matin. La petite playlist que je vous ai fournie. Pour matin en petit-déj, je me fais ça. Ils sont vraiment. Le groupe Loroar là, c'est très très cool. C'est ça te transporte. J'aime. Je valide. Bonsoir Marie. Wouhou. Ouh punaise. Oh, ce serait énorme ça d'avoir le skin de Homer. Ah ouais, j'avoue, ils auraient dû faire ça. Oh, j'avoue, je l'aurais pris direct. Aucun rapport, mais ça aurait été cool. Là, on peut pas. Là-bas. Ça va ou quoi, Marie? T'as vu, t'arrives pile quand il y a de la bonne musique, à croire que c'était prévu. Ils se sont dit, c'est bon, Marie, elle arrive. Les gars, on va mettre du Loroar. Petite musique d'ambiance. C'est parfait. J'aime bien ce genre de terrain un peu volcanique comme ça, c'est cool ça. Instrument de précision, station météo. On va mettre ça dessus. Hein. Ça leur aurait sûrement coûté un bébé en droit. C'est pas faux. C'est pas faux, mais bon, après. Je sais pas s'il y a des skins. Du skin de Homer, il parle, Garrett. Mais je sais pas te dire. Ah ouais, c'est ça, c'est un abri en fait. Oh, un abri. Ce qui veut dire qu'il y a de la pluie par là, quoi. Ah ouais! That's nice! Ça répare le truc? Ça évite d'avoir des trucs colmatants? Ouais, c'est bien ça. Bah, nous, ça va très bien sinon, Marie. Ça va très bien. On est content de t'avoir avec nous. Allez. Pose sur la chariote.
va, il y en a d'autres. À dire qu'il y en a qui arrivent à te dire que ce jeu il a rien dans le ventre quoi. Moi je comprends pas. C'est moi qui me fais voyager ce jeu moi. Attends frère. Lance Bolas. Vas-y wesh. J'ai failli craquer et me prendre Monster Hunter. Je l'ai vu en magasin, 9 promo. Ah ouais. Bah ouais ouais, craque pas trop vite hein, parce que c'est pas ce jeu là qu'on voulait faire avec Marie du coup. Bah après tu peux le prendre hein. Tu sais il y a carrément 1500 quêtes à faire donc c'est pas comme si tu... Après tu vas juste être... hyper hyper comment dire, hyper avancé sur nous quoi. Enfin si on le fait ensemble. Enfin sur nous non, du coup Marie elle a dit qu'elle voulait pas trop ce genre de jeu. Mais ouais je sais pas. Moi je sais que je vais me l'acheter à un moment ou un autre mais... J'ai regardé la rediffusion de ton stream de lundi sinon. Ah nice. Ouais, j'ai pas fait grand chose lundi, je crois pas. C'est passé assez vite. Vous avez parlé de moi. Et vous avez parlé de moi. Oui, bah on était inquiet quoi. On n'a pas parlé en mal, Marie. Ou alors je m'en souviens pas. Ou alors c'était pas en mal. Non, on n'a pas parlé en mal. Garut, qu'est-ce que t'as dit sur Marie? Comme quoi j'avais pas le sens de l'humour. Ah mais par contre c'est vraiment des baltringues là-bas, non? C'est pas juste des mecs qui font semblant. Ah ouais. Ah merde. Vas-y viens wesh. Je te fume. Mais comment ça se fait que je vais sur ce terrain plus que dangereux. Oh là, il y a une voiture, il y a une moissonneuse batteuse les gars. Vas-y là, viens mon copain. Oh bâtard. Le mec il s'est tué tout seul. Couché. C'est moi le lanceur de bolas, ma man. Je vais te mettre une petite manchette. Oh il y en a un autre. C'est bon là. Et paf! Attends, 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 attends! Ah, il y en a un autre là-bas. Oh, mais ils sont combien là? Ah, faut pas qu'il le libère.
Ouais, d'accord. Ah ouais, en fait ils peuvent se libérer. Non? Si? Oh non! Un CCP! Ah, tant pis. Ah, je vais quasiment vider un recharge. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. On va essayer de traverser quand même. Petit coup de pied dans les couilles. Voilà. Ça c'est bon. Excusez-moi. Voilà, ça c'est bon. Là on est tous bons là. Tout le monde se calme. Merde. Easy. Bande d'abruti. Et t'inquiète Max, lundi j'étais juste trop morte pour regarder ton stream. Ça marche. Ce n'est pas à cause de ton petit panda. Ah oui. Oui, c'est vrai que j'avais dit ça. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est peut-être à cause de ça. Porter sur le dos. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas grave. Parce qu'il y a des trucs là-bas. Mais il faut dire Max qui est en train de bolasser toute la planète. Non, je voulais pas faire ça. Mais il faut dire que ton panda, genre un peu la visibilité. Gêne un peu la visibilité. Ah bon? Genre il est trop gros? T'as envie de dire que j'ai la grosse tête de panda? J'avoue que j'ai les proportions, je les connais pas spécialement bien. Donc ça se trouve, j'ai peut-être mis un peu gros. Bah, à vous de me dire! Si c'est trop gros, je le diminue, c'est pas un problème. Et qui va faire ses courses? Alors, je vais prendre un peu de céramique. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est bien. Et je sais pas c'est quoi ça. Un peu de métaux. Ouais. Ouais quoi? Ah, ils l'ont détruit les cons. Bon après c'est pas grave, au pire je peux le recycler quand même. On est pas mal là. J'ai déjà pris. Oulala, Max, change tes lunettes si tu vois pas ce qui est écrit. Et si, t'as dit ouais, j'ai bien compris. Ça j'ai bien vu. Et voilà. Mais oui, de quoi? Ouais, pas de mes commentaires. Qu'est-ce qu'il y avait de marqué? Oh, mais dingue! Je comprends pas, Marie. La taille me dérange pas, mais ça me frustre un peu de pas voir tes réactions. De faciste. Mais si, regarde! Bon, j'avoue que c'est peut-être pas aussi optimisé, mais
Ah du coup on va peut-être prendre un petit code 4. Un petit code 4. Allez. Accrocher à la combinaison, non. Hop, hop, hop. Attends, sur le porte-outils, je vois que ça. Ah, ça y est. Déplacer. Le véhicule. Voilà. Déplacer. Le véhicule. Oh, déjà pas mal. Voilà. What? Oh! Voilà. C'est bon. Ce week-end, ce week-end, j'ai rien de prévu, donc ouais, carrément. Multi de Red Dead, toi tu parles. Sommes-nous bien d'accord? Wouah. Le problème, c'est que là, il y a beaucoup de trucs hein, quand même. Faut peut-être se faire un pont. Genre un petit pont, tu sais. Bon, on va déjà faire la mission et après on verra. Bah, tu te rappelles pas, Marie, on voulait tester Dying Light. Ah non, excuse-moi, c'est Garrett qui dit ça. Excuse-moi. Putain, mais il y a des fois je louche, c'est pas possible. Ouais, non, Dying Light. Non, mais c'est parce que je regarde du coin de l'œil et des fois j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi Marie. Enfin, en fait. Parce que j'ai l'impression des fois je suis habitué à des couleurs en fait. J'ai déjà cherché sans trouver Max. Ouais. Bon, après, moi ça serait vite fait, hein. On va essayer de pas se péter la gueule. Faire une livraison. Livrer. Ah, je les ai pas. Où? Je les ai pas. Attends, on va faire. Ah, je peux pas recycler. Putain, bande d'enfoirés là. Marchandises perdues. Des sous-vêtements? Eh, pardon. Non, c'est pas ça. Porter sur le dos. Attends, mais c'était quoi ça? C'est dans le camion? Ça me fait chier de le prendre sur le store. C'est-à-dire. Ah, le Dying Light, tu parles. Ah oui, tu l'as pas trouvé en. Mais en occasion. Genre sur le bon coin. Ça me paraît bizarre. Hein. Mais peut-être, hein, peut-être. Peut-être ben.
Mais attends, je suis parti sans. Bah non, mais carrément. Mais ça me paraît étrange, il est quand même pas si méconnu que ça. Hein. Après, est-ce que t'as vraiment regardé sur le bon coin? Est-ce que toi, t'es plutôt du genre à regarder sur les trucs de magasin, quoi? Tu me fais chier avec ton le bon coin! Bah, j'y peux rien, moi, je trouve tout là-dedans. Instrument de précision. Mais ça, c'est pas des marchandises perdues, c'est pas ça qu'il me faut. Putain, mais je les ai mis où? Portée sur le dos, grenade. Il me dit que j'ai rien sur le dos, ça peut pas être ça. Putain, mais c'est quoi ce délire, wesh? Mais c'est pas moi là! Pourquoi c'est toujours moi qui dois vexer les gens? Je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Et puis à Noël, j'ai un lot de jouets à acheter pour 4 enfants. Ouais, non, mais. C'est pas une obligation. Nous, on proposait, Marie, après. Voilà, c'est tout. Enfin, après, tu fais comme tu veux. Bah ouais, y a pas. Putain! C'est quoi ce délire, wesh? Putain, moi, les accords, y a rien là. Putain! Je comprends pas. Je les ai paumés là-bas? Parce que je sais qu'ils m'ont fait tomber des trucs alors. Mais y'a rien. Moi j'ai rien. Je comprends pas tout. Du coup, quoi? Faut que je retourne à l'autre base? Vas-y. Putain, ils font chier là! Je suis pas sûr que ce soit. Si, c'est pas. Ah ouais! Attends, on va peut-être recharger. J'ai tiré un peu sur la batterie. Ça marche ça? Ah ouais. Vive le vent, vive le vent. Non, c'est pas ça. J'ai un peu du mal avec les chansons, j'ai l'impression. Putain, fait chier quoi! Le truc il m'a pas pris mes marchandises. Je serais un peu con des fois, Sam.
Ça me surprendrait pas. C'est dur la côte, hein. John m'a fait faire la goutte lundi. Ouais. Ce qui veut dire. Oh, désolé si je suis un peu stupide. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire, donc je préfère demander, tu vois. Plutôt que de faire style le mec, ouais je comprends alors que je comprends rien. Pleurer? Mais pourquoi? Pourquoi qu'il a fait ça? John, putain, je suis à l'ouest de ouf. Putain, je vois, j'ai pas pourquoi j'ai percuté John Lionel, tu vois. Je suis mais. Mettre la marraine de son propre fils. J'ai pas tout compris. Oui, d'accord. Ah ouais! Trop bien! Heureusement que t'as précisé, Marie. C'est. On est d'accord! Non, mais ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Putain, mais qu'est-ce que ça fout par terre? Ah mais c'est vraiment le bordel ce truc. Je sais pas si je vais pouvoir tout prendre comme ça moi. Ça passe. S'en bat les couilles. Allez. Et c'est oui oui. Dans son beau gros taxi. Pardon. Ok. Allez. Ça va passer. On est. Putain, j'ai déjà bouffé la moitié de la batterie, wesh. C'est quoi ce délire? On est passé par. Il y avait une route à un moment donné. Voilà. On va par là. C'est un peu le bordel. Oh lolo! Sauter! Oh putain! Putain, c'est. C'est du vrai tout-terrain quoi! J'étais pas au courant! Putain, ils sont costauds les camions, mon gars! Putain, d'ailleurs, j'ai pas regardé si le robot que j'avais lancé il avait réussi sa mission. Ça passe. Alors là ça devient compliqué. C'est par là qu'on est passé? Non c'est pas par là. Calme-toi. J'ai encore la pêche.
Ouais, je pense que ce sera dimanche, non? Enfin, moi ça me tente bien dimanche. Dimanche c'est bien parce qu'on est tranquille, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le jour du Seigneur, le jour du game. Oh pardon. Et je me dis, est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire un pont? Attends. Il y a peut-être moyen. Oh mais il y a un CCP. Oh il y a des métaux. Vas-y, on va tester ça. On va se faire un petit pont, ça va le faire. Ouais, je vais le faire. Je vais au moins le faire. On va le poser et après on verra si. Si on se fait un. Enfin, normalement, il n'y a pas besoin d'un pont, mais du coup. Comme ça, on peut passer les marchandises plus facilement. Boîte de stockage. Ah, je suis pas dans le réseau chiral. Merde. Laisse tomber. Un lance-bolas. Donne-moi ça, mon gars. Mais c'est à moi en plus. Bon, vas-y, tant pis. Attends, mais ça se trouve, je peux peut-être le prendre. Non, c'est pas ça. Merde. Confirmé. Je sais pas encore, mais plus en soirée parce que je reçois du monde samedi ou dimanche midi. Dimanche midi? Ah, moi ça va être chaud le dimanche midi. Au mieux je peux faire 15 h. J'ai l'impression que... Pourtant j'ai pas... Je suis pas en train de faire un AVC quand même. Mon nez il se barre à moitié. Je sais pas si. Et en vrai, on dirait un chameau le bordel. Bon, ça fait pas vraiment un bruit comme ça, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon, ça passe. Ça passe. Non, t'as pas compris. Lol. Ah! Ah, d'accord! Autant pour moi. Bon, j'avais pas compris du coup. Porté à la main. Chargé dans le véhicule. Genre les mecs ils peuvent vraiment pas ouvrir le garage. Genre ils ont un truc immense. Putain. Ok. Rien de prévu ce week-end sauf si j'ai réussi. Okay. Eh c'est quand? C'est quand du coup Marie? Attends ça va peut-être pas passer là. Faire une livraison, livrer la marchandise 4 sur 4. Parfait. Vendredi. D'accord. Ouais mais si tu vas forcément fêter ça Marie. Livraison.
Chase a toujours été là pour nous. Amélie était une amie proche autrefois. Elle a vu l'intérêt de ce que nous faisions et a dirigé les opérations pour mettre notre ferme en état de fonctionner. Nous attendons de pouvoir rejoindre... Hier soir, je suis sorti de l'auto-école en mode pas bien. Pourquoi? Pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous nous avez vraiment apporté tout ça. Mais comment avez-vous fait? Oh, merci. J'ai pris mes petites jambes et puis bah, j'ai marché, espèce de connasse. Oh, pardon. Je me suis sorti les doigts du cul. 14 et 8 fautes. Non mais c'est normal, Marie, on a tous fait ça. Enfin, moi surtout. J'ai fait l'exact, je t'avais raconté, j'avais fait de la merde. Genre les entraînements que j'avais fait, ils étaient tout pourris, j'étais là putain merde et tout. Et des fois en fait ça te force à te concentrer encore plus de ouf. Je ressens pas le stress pourtant. Bon bah tant mieux. Mais bon voilà, tu vas être plus vigilante limite. Je pense que c'est tout aussi bien. Mais tout le monde me le dit. Ouais. Bah moi c'est ce qui s'est passé. De toute façon, t'as encore demain pour bosser. Au fait, vous ne connaîtriez pas Fragile par hasard. Si vous la voyez, transmettez-lui un message de notre part. Dites-lui, merci de nous avoir sauvé la vie. Si elle n'était pas intervenue, le Relais du Sud aurait été rayé de la carte. Et notre ferme avec. C'est une héroïne. Vous pouvez lui répéter ça aussi. Ah oui, le réseau. Vous croyez pouvoir nous connecter? Alors attends, je vais avoir le choix de savoir dès la sortie de l'examen dans les 2 heures avec le nombre de fautes. D'accord. Non mais clairement. Par contre là elle a vraiment une gueule de chameau le panda là. Hein. Attends, je vais essayer de calibrer là. Je t'avoue que c'est un peu chiant quand même. Hein. Ce genre de truc casse-couille. Ah putain. Ah. Voilà, c'est bon. J'ai révisé à fond demain sûr. Ok. Sam, je suis sûr que des mules vous ont déjà détroussé après avoir localisé votre marchandise. Ah. Eh bien, pour éviter que ça ne se reproduise, on a perfectionné votre propre scanner de marchandises. Disons que vous êtes sur le point d'être localisé. Si vous agissez à temps, vous pouvez retourner le compliment et remplacer leur signal par le vôtre. Ils ne seront pas plus avancés et vous reprendrez votre route tranquillement. Mais le timing est crucial. Je vois. Ça marche. Connecté au réseau chiral, ce qui va... Maintenant, on va vraiment pouvoir utiliser les précipitations à notre avantage. Notre ferme sera une première mondiale. Le fait est qu'on a quelques champs d'essai, mais sans la possibilité de prévoir les précipitations, les résultats n'ont pas été extraordinaires.
Les précipitations étaient plutôt régulières par ici, alors on avait une idée assez précise des moments où il fallait planter et récolter. L'autre. Mais ensuite, les terroristes ont tout terminé. Ça. Trop de morts, trop de cratères. La météo est devenue complètement imprévisible. Heureusement, grâce au bulletin du réseau, on devrait pouvoir se remettre sur les rails. Si tout se passe comme prévu, on pourra étendre nos opérations et utiliser les précipitations pour cultiver de grandes zones de terre. On va aussi poursuivre nos recherches en génétique, bien sûr, et essayer de trouver une façon d'aider un écosystème durable à se développer. Peut-être même qu'on trouvera quelques réponses sur les précipitations au passage. On a du pain sur la planche. Mais je suis prêt à relever le défi. Merci encore, Sam. Vous nous donnez l'espoir d'un avenir meilleur. J'ai hâte d'en être à la récolte. Vous êtes sur la bonne voie. On est à mi-chemin. Vous pouvez y arriver. Oh, voyez-vous ça? Vous venez tout juste d'intégrer la ferme à précipitation au réseau, et on a déjà de nouvelles commandes. Autant tirer parti du voyage retour. Au travail. Nouvelle commande disponible. Alors, l'ESP... Attends, par rapport à l'AFU surtout. L'AFU? Là, par contre, je sais pas. Mais l'ESP en gros c'est ce qui t'évite quand par exemple tu mords un peu le côté de la route et que c'est pas le même type de surface. En gros l'ESP il te fait tourner moins, il rattrape la motricité de tes roues pour qu'elles tournent à la même vitesse et que en gros tu patines pas trop. Alors que l'ABS c'est quand tu freines ça évite que tes roues se bloquent. C'est l'anti-blocage du voilà, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ABS, ouais, c'est... alors, je sais pas si c'est un acronyme français, d'ailleurs. Mais en gros, l'ABS, ça évite que tes roues se bloquent quand tu piles. Et le SP, ça évite que quand tu mords dans... Ou que quand, par exemple, t'arrives sur sur un tas de feuilles, genre sur la route, tu vois, il y a des feuilles qui sont tombées par terre... Bah en gros, ça t'évite de perdre totalement le contrôle de ton véhicule parce que bah, ta voiture elle part en tête à queue. Aide au freinage d'urgence. Ouais, mais ça va, ça. D'accord. Oui, mais ça, il n'y avait pas d'aide au freinage d'urgence. Bah, ça doit être vraiment très récent parce que moi, je sais pas. Sur quelle bagnole t'as ça? Faut déjà avoir des voitures assez haut de gamme, non? Je sais pas, je suis même pas sûr d'avoir. Je suis pas. À mon avis, j'ai pas ça sur la mienne déjà. Pourtant, elle est récente. Ça doit être vraiment. Ou peut-être sur les toutes dernières. Ou alors sur. Ah si! Ils en avaient fait des caisses avec ça, Volkswagen là. Ils en ont fait avec la Polo là. En gros, le truc qui. Il freine tout seul quoi. En gros, t'avais plus besoin de freiner quoi. À quoi bon passer le permis si tu conduis même pas? Ok. Allez, on s'en fout. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Faire une... Non, c'est pas ça. C'est recycler. Lance-bolas, on s'en fout. CCP, on va mettre les métaux. Ah, quoique pas les métaux. Ah ouais, alors attends. On va faire recycler ça. On va faire recycler ça. Et déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Ça c'est bon. Allez hop. Livraison. La bre... L'abréviation AFIL. C'est quoi du coup? Merci pour votre contribution. Ah ouais.
Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ça fait un grand pont, j'admets. Le code d'aujourd'hui, je le trouve beaucoup plus porté sur l'économie d'énergie et l'entretien de la voiture. Genre les questions bêtes de savoir. Attends. De savoir où on met le liquide d'enfroidissement ou le liquide lave-glace, etc. Bon, ça a toujours été. Ou que doit-on faire quand on voit un voyant rouge ou orange? Bon, ça va. Bon, ça a toujours été. Enfin, moi j'ai toujours connu ça de. C'est des métaux qu'il lui faut, je crois. Ça, céramique a pas besoin, et bah ça c'est bon, on va faire ça, porter. Ah, attends, il y en a un là. Ouais bah ouais, non mais voilà, tu vois, c'est des questions basiques, donc limite... Ouais mais y'en a qui savent pas, hein. J'ai dit, t'as bien des blondasses qui comprennent pas comment marche une bagnole, donc je me dis... genre de truc... Je me dis, c'est complètement absurde comme question, mais... Pour autant, bah... Pour autant, pas tant que ça, quoi. Parce que faut pas oublier que sur la route, c'est eux les dangers. Hein. Ah, les blondes. Hop là. Céline, ma pote, a du mal avec le code. Oh merde, elle est blonde. Oh merde, j'ai dit une connerie. Non, elle est brune. Encore pire. Oh, bah dis donc. Non, mais après, c'est pas évident pour tout le monde. Je sais pas. J'ai envie de te dire... Il me reste combien à mettre là dans le... 400. 400 à mettre. Je pense qu'on va... Ah, il est loin quand même. Il est loin mais du coup j'en aurais besoin. Ne tombe pas en panne, s'il te plaît. Parfait. Ok, c'est chargé au max. Ah,
Ouais, complètement, complètement. En même temps, c'est pas fait pour pénaliser non plus, tu vois, j'ai envie de dire. C'est le but, c'est d'éviter que les gens soient des dangers sur la route, tu vois, c'est plutôt ça. Hein. Donc ils doivent partir du principe que, bon bah voilà, si... Si tu sais les bases, voilà, et que tu arrives à te comporter bien sur la route. Bon voilà, je pense que c'est pas, t'es pas plus bête qu'une autre personne, quoi. C'est surtout ça. Hein. C'était où le truc là? C'est là. Il y a des questions complexes aussi. Je suis pas une intello, mais je suis pas conne non plus. Vas-y, genre, ils mettent quoi? On va voir si je suis con. Métaux. Ah bah voilà, parfait. 300. Il va peut-être faire lourd quand même. Ouais. Ouais, 30 kilos quand même. Oh, ça passe. Oh, 100 kilos. Salut Lionel, ça va? Garut est parti. Ouais, soit il se fait sa petite lessive ou soit il est parti s'occuper de ses chats, je pense. Bah ça va, tranquille. Tranquille. Compléter la structure. Céramique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ah si, il y en a là-bas. Ah mais attends. Eh ouais. En fait, ils sont pas morts. Et merde. Tu sais, ils sont même pas venus voir les gars. Non mais attends, y'a un coffre. Ceci est un chat. Qu'est-ce que t'as, Roger? What? Ah, ils ont été avertis. Eh merde. Y'en a là, espèce de fumier. Qui m'a tiré dessus comme ça? Ils sont dangereux à moitié, hein.
Oula, il est gros lui. Ta gueule. Couché. Voilà. Ok. C'est lui qui me mettait des grosses mandales la dernière fois. Résine. Ah, je t'avoue que les gris ils sont costauds. Hein. MDR, mon chien a fait mieux. Et vous du. Sérieux? Ouais, c'est le problème avec les mâles, quoi. Bah ouais, ça va le faire. Ah! Ah, c'est dégueulasse! C'est vraiment un petit con! Ah, c'est surtout pour dire qu'il a envie de chier, quoi, du coup. Un peu. Tant pis, je vais perdre 100 et puis bah c'est pas grave. Merde. Ok. Il est trop bizarre en ce moment. J'avoue que c'est un comportement un peu atypique. Et il a quel âge? C'est un bébé du coup. Ouais, c'est un bébé. Arrête! Non! Ne tombe pas! Mais non, c'est pas lourd. C'est dur, il me met hors de moi depuis 15 jours. Ah ouais. Ah. Merde. Ok. Ça marche. Merci d'être passé, Lunel. Et du coup, bonne soirée. Bonne soirée. Et vendredi, est-ce que je fais quelque chose? Vendredi, peut-être pas.
Vendredi, c'est pas sûr que je fasse un stream, je préfère prévenir. Georges le sort, il rentre, c'est pour faire pipi. Ah oui! Ah ouais, en mode il est insolent quoi. Ah, j'avoue, il est pas cool. Ça c'est bon. Il reste des trucs là-bas, non? Merci pour votre contribution. Station météo. Attends, on va peut-être reprendre des trucs pour la station météo. C'est où la station météo? Ah, c'est ça, hein, c'est bien ça. Ok, et du coup les commandes, est-ce que j'ai des trucs à faire par là-bas ou pas? Histoire de pas remonter sans rien. Tu lui enlèves la... Ah ouais, grave! Mais non, mais il l'enlève en fait, à chaque fois que je me repose, il l'enlève la casquette. Exact, Marie. Vendredi, ça sent la grosse beuverie. Non, en fait, je dois surtout aider un pote. Enfin, je vais aider un pote à déménager. Là, il va sur Paris. Du coup, il a besoin d'un petit coup de main pour l'aider à déménager. Oui, non, mais je fais pas des beuveries tous les week-ends. Déjà, j'avoue, je me fais des kiffs en ce moment parce que bon, faut quand même sortir un peu, tu vois. Mais le problème, c'est que ça finit toujours un peu comme ça, quoi. J'ai du mal à faire des soirées avec les potes où il y a pas d'alcool, quoi. Bon, après on se marre quand même, c'est pas le problème. Sélectionner. Merde. Non, parce que là il est en train de dire que je suis un gros alcoolique en fait, c'est ça. Ça c'est Garut quoi. Toujours aussi sympa quoi, tu vois. Oui. Voilà. Apparemment c'est lourd. Non! Espèce de petit con. Ça passe? Ça passe? Ça passe. Non, t'inquiète, ça passe. On va essayer de faire ça et on va faire plutôt tout ce qui sert à rien. Transporteur flottant, je vais pas le prendre. Ça, je vais pas le prendre. Encre d'escalade, marchandiseur, grenadier. Et puis ça, et puis on va mettre ça dans le véhicule. Et puis ce sera très bien. Mais attends. Allez, frère! Ah mais il y a un clignotant quand je tourne, j'avais pas vu. C'est magique. Le souci du détail. Rien.
En fait, je sais même plus si t'as vu la vidéo sur laquelle je t'ai identifié. Ouais, ouais, carrément. Bah si, j'ai liké, je t'ai mis un petit smiley. Me semble. À moins que ça ait pas marché, mais... Mais si, si, carrément. Je trouvais ça assez marrant, d'ailleurs. Je sais pas comment il a fait pour ne pas perdre sa marchandise, le mec. Hein. Ok. Non mais si j'ai regardé. Rassure-toi. Ah, j'ai pas mis le son par contre, moi. Ah oui, il crie. Ah, énorme. Non, c'est pas là. Allez, ma poule. Allez. Ah. Un peu du mal. Ouais, une glissade maîtrisée, ouais, ouais, j'avoue. Je sais pas comment il a fait parce que normalement tu perds tout ton matos quoi. Je sais pas comment il fait. Ouais, carrément. C'est peut-être un bug hein, du coup. Je me dis, ouais, je percute même pas, mais ouais, c'est clair, même le bébé au final il doit être complètement. Complètement secoué quoi, le bordel. Ah merde. Ça marche pas. Ça c'est vraiment de la pluie acide mec. Le truc il est complètement rouillé quoi.
Ouais, ça, ça fait un bail. Oh putain! Effectivement, ça fait un bail, j'ai pas pissé, wesh. Ah, j'ai plus de. Oh. Je n'ai plus. Alors, on va faire un équipement. On va faire un équipement, un spray colmatant. Confirmé. Regarde, c'est pas ça. Ah! Holy witch wingam! Cher nature. Non, c'est pas ça. Pardon. J'ai pas d'autres chansons qui me viennent en tête quand je fais ça, je sais pas. Est-ce que je pourrais chanter en même temps? Alors, faire une livraison, livrer la marchandise perdue. Et voilà! J'avais pas autre chose que ça? Bon. Ok. Et il est quelle heure? Et il est quelle heure? Il est 28! Et bah je pense que ça va être là-dessus qu'on va arrêter. Ouais mais attends. Du coup, si je fais ça, pas de live vendredi, bah ça va être chaud, honnêtement, je sais pas trop. Ça va être chaud. Aïe. Attends, pourquoi il reste des trucs là? Ah oui, non, c'est quand je suis dans le truc. On a pas de garage. Je peux pas m'en poser. C'est une blague ça. Terminal aussi. Genre y'a quoi dans le garage? Ah ouais. Comment il a fait pour modifier les couleurs? Ouais. J'aimerais bien faire la même chose. Moi je peux pas. Bon. Ouais, je sais pas. Reposer. Nous apprécions beaucoup.
Ah ouais, carrément. C'est ça que je veux faire, moi. Je vais le mettre en violet aussi. Mais je pense qu'on peut, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Allez, pisser un coup. Parce qu'il a l'air d'être plein comme une barrique. Mais je vous en prie, en même temps, j'ai pas tellement le choix. Assis debout, allez. Bram. Ah non, mais c'est pas celui-là que je voulais faire. Bon, tant pis. Je me suis trompé. Ah, c'était debout. Ah, c'était rond. Ah, je me suis trompé! UCA! C'est même pas USA. C'est UCA. United. C'est d'ailleurs quoi? United quoi? United of America, et je sais pas quoi. Well. Allez, hop là.